puissance. Petit rappel sémantique, qu'est-ce qu'on appelle un concept car? C'est de l'anglais encore. Oui, c'est une voiture unique, un seul exemplaire. Et en fait, c'est un véhicule qui sert à montrer et à laisser les designers s'exprimer au niveau de la créativité, tant au niveau du design extérieur qu'intérieur, éventuellement de nouveaux, tester de nouveaux matériaux. Mmh. Les ingénieurs en profitent aussi pour montrer de nouvelles technologies, de nouveaux moteurs. Mmh. Et donc ensuite, un certain nombre de choses sont reprises ou pas. Parce qu'en fait, le but des concept cars, c'est de montrer aux gens, de tester un petit peu ce que les gens ressentent, s'ils apprécient, ils n'apprécient pas, et puis peut-être éventuellement de les habituer à ce que seront, en l'occurrence, les Peugeot de demain. Chez les constructeurs, les concept cars, on les fait beaucoup rouler, ou c'est justement le coup d'œil, et puis c'est tout? Il y a deux sortes de concept cars. Il y a des concept cars qui ne roulent pas, qui sont exposés sur les salons. Peugeot préfère faire des concept cars roulants. Donc là, en l'occurrence, les deux concept cars que nous avons essayés, qui s'appellent Quartz et Exalt, sont des concept cars qui seraient prévus, s'ils sont commercialisés, avec des motorisations hybrides essence rechargeables. En l'occurrence, les moteurs qu'on avait sous le capot n'étaient pas les moteurs hybrides rechargeables. Un concept car tel que l'on va le voir là, admettons qu'il vive sa vie et qu'il y a un aboutissement. C'est dans combien d'années? Alors, c'est très variable. On peut retrouver, un an après, les phares et la calandre, comme ça a été le cas pour la 208, le petit volant. Après, partie, ça peut être une partie. Après, ça peut être 2 ans, 3 ans, 10 ans. D'accord. En fait, et en plus, Peugeot a la particularité de faire évoluer ses concepts cars. Mmh, c'est-à-dire qu'on les voit à un moment donné sur un salon et on va les voir un petit peu différents. Ils vont être un petit peu différents sur un autre salon. C'est ça, d'année en année. Ok, voilà. On regarde ça. Hein. Donc je vous emmène tout de suite à Morbefontaine dans l'Oise où nous avons pu prendre le volant de Quartz et Exalt. Alors pour Peugeot, un concept car, c'est un véritable laboratoire d'idées. Ça permet de concentrer sur un moment précis, sur un objet précis, toute la créativité des stylistes, mais aussi toute la créativité et la technologie de nos ingénieurs. Exalt et Quartz, ils donnaient deux directions sur des silhouettes. Exalt avec une berline beaucoup plus coupée, qui est une tendance qu'on voit arriver de plus en plus sur le marché. Donc c'est le signe que Peugeot va aller vers des berlines beaucoup plus dynamiques. Et puis Quartz, c'est un SUV mais qui est un peu particulier. C'est un SUV qui est assez décalé et qui a une posture de SUV, mais finalement qui a une cabine beaucoup plus de berlines. Alors on va voir arriver dans les véhicules de demain de la connectivité, puisqu'aujourd'hui le smartphone est un incontournable de nos vies. On va retrouver de plus en plus des usages comme de l'ouverture, de la fermeture au smartphone. Pour les matériaux, on travaille aussi avec ces concepts comme étant des laboratoires pour avoir des matériaux qui sont plus recyclables, des matériaux qui ne voyagent pas partout dans le monde, mais qui sont sourcés beaucoup plus localement. On a sur un concept car travaillé par exemple du newspaper wood, qui est un matériau issu de papier recyclé. Alors dans Quartz, on a travaillé un matériau qui est du tricotage numérique, qui a l'intérêt d'un côté de jouer sur un effet de relief et de l'innovation sur sa mise en scène. De l'autre côté, c'est un matériau qui est issu de plastique recyclé. Donc il est dans cette veine de regarder comment des matériaux peuvent être transformés, remis dans des voitures et mis en scène de manière complètement innovante. On le voit déjà sur des chaussures de sport où cette technologie est déjà employée. Les équipes de style vivent dans les ateliers avec ces voitures en référence et puis on s'en sert régulièrement pour tester des couleurs, des matériaux. Donc ils nous accompagnent dans la genèse des produits qu'on travaille en ce moment et qu'on proposera aux clients dans quelques années. On les définit sur certains salons, sur certaines régions. Et avec Exalt, on a voulu présenter un concept car en Chine. Et puis on a fait un travail très particulier avec des équipes de style chinoises pour proposer des matériaux asiatiques dans cette voiture. Ensuite, on l'a montré dans un salon à Paris et on a revisité aussi tous ces matériaux avec des inspirations beaucoup plus européennes. Ah, la berline, là... La berline aux allures de coupé, elle est splendide. Ah, mais d'ailleurs, la calandre et les phares arrière ont déjà été repris sur la 508. Ah oui, d'accord. Bon, à suivre, donc. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation et puis, bien sûr, la météo, puisque nous sommes en alerte canicule.